C'est avec patience et discipline que nous construisons notre portefeuille. Notre règle d'or, le respect de notre process. Une illustration dans le secteur automobile. Nous choisissons nos valeurs en portefeuille grâce à notre process en trois étapes. Premièrement, identifier les sociétés préférées des clients. Deuxièmement, analyser la stratégie client de l'entreprise. Troisièmement, vérifier la capacité financière pour son déploiement. Dans la première étape, nous identifions les sociétés préférées des clients. Nous commençons par recueillir les données de classement satisfaction client, par exemple celle de notre étude propriétaire Ipsos en Espagne. Quatre marques se détachent, BMW, Mercedes, Toyota et Audi. Afin de qualifier ces données, nous analysons plusieurs indicateurs, leur dynamique sur plusieurs années, dans plusieurs pays. Nous comparons ensuite ce résultat avec les autres classements de notre base de données afin d'obtenir un score agrégé, le score ROC. Et au final, quels sont les leaders dans le secteur automobile? BMW, Daimler et Toyota. Une fois ces entreprises identifiées, deuxième étape. Nous rencontrons les sociétés pour leur soumettre notre questionnaire, fruit de notre expérience dans le monde de la satisfaction client et de notre participation au prix de l'excellence client. Concentrons-nous sur BMW. Selon nous, une stratégie client repose sur quatre piliers. 1. Connaître ses clients. En 2014, BMW a interrogé 2,3 millions de clients dans 90 pays pour connaître leurs attentes. 2. Construire des produits qui répondent à leurs attentes. Par exemple, dans l'électrique, ce ne sont pas les clients qui s'adaptent à la production, ce sont les usines de BMW qui s'adaptent à l'évolution de la demande des clients. 3. La culture client. Comment offrir une expérience unique? Grâce à des employés engagés. 4. Une gouvernance adaptée. Chez BMW, il n'y a pas un, mais trois monsieur clients dans les instances dirigeantes pour veiller au respect des intérêts du client. Enfin, dans une troisième étape, Company Watch, notre outil d'analyse propriétaire issu de 20 ans de recherche dans l'analyse des sociétés, nous permet de nous assurer que les entreprises ont les moyens financiers de leurs ambitions. Et là encore, BMW excelle avec un objectif de marge moyen terme compris entre 8 et 10%. Une fois l'entreprise sélectionnée, nous attendons le moment qui nous semble le plus adapté pour la rentrée en portefeuille. C'est-à-dire lorsqu'il existe un écart entre sa valorisation fondamentale et la perception qu'en a le marché. Vendre quand le titre est survalorisé, acheter quand les craintes sont exagérées. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.